bienvenue dans l'acte 3 de notre vidéo Mongolie. On voulait voilà, faire un petit extra pour vous montrer un petit peu comment c'était au quotidien avec nous. Donc là, on s'est réveillé, on va prendre un petit déjeuner, un petit café. Et puis après, on va aller se promener un petit peu. Et le but des shots d'aujourd'hui, c'est d'avoir des montagnes enneigées dans le background. Parce qu'on a vu plein de types différents de paysages. Vous avez pu le voir dans la vidéo principale de la Mongolie, dans l'acte 1, dans l'acte 2. Et bah, le seul biome qui nous manque un petit peu, c'est les montagnes avec leur neige éternelle. Yep. Et donc ici, on a trouvé le spot parfait parce qu'on en a à droite, on en a à gauche. Et même en plein été, il y a encore de la neige. Et donc ça, c'est un peu le but d'aujourd'hui, c'est d'avoir un plan où on peut marcher avec ces montagnes en arrière-plan. Donc voilà, on va essayer de faire ça. Et si on réussit, bah, normalement, ça sera intégré dans la vidéo d'ailleurs. Ouais. Donc en gros, le but de la vidéo aujourd'hui, c'est de vous faire vivre une journée Big Jump. Mm-hmm. Et donc ça passe par le petit déjeuner, le bivouac, aussi les plans vidéo et marcher, faire l'autostop, se déplacer. La route. Et l'objectif, c'est d'atteindre la ville de Copt. Ouais. Ça qui s'écrit Copt, mais à une centaine de kilomètres, je crois. Mm-hmm. Donc c'est notre dernière grosse ville de Mongolie avant de bifurquer vers la Chine. Ouais, c'est donc vrai. Voilà. Comme ça, il n'y a pas que l'aspect montage vidéo, il y a aussi un petit peu le quotidien avec le stop et les galères que ça représente. Donc si ça se trouve, on va faire que marcher, ça sera une vidéo super ennuyeuse et puis après on va s'arrêter pour camper et la vidéo s'arrêtera là. Et puis peut-être qu'on aura de la chance avec les Mongols qui normalement sont super cool pour ça et qui nous aideront à atteindre Copt. On vous fera goûter des petits rochors et des trucs comme ça. C'est ça. Affaire à suivre. Alors pour le petit déj, on a du cappuccino avec des petits gâteaux kazakhs. Très très bon les petits gâteaux kazakhs. Ouais, c'est la région dans laquelle on se trouve en Mongolie, donc c'est ce qui coûte le moins cher et ce qui est très très bon aussi. Peut-être que vous aurez vu ce plan dans la vidéo de la Mongolie. Et le petit gâteau. Ça c'est bien ça. Ouais. Et comme moi je suis corvée caméra toute la journée, Amadeo fait toutes les autres corvées. Hein Amadeo? C'est ça. S'il y a une chose à laquelle on n'échappe jamais vraiment dans la vie, c'est la vaisselle. C'est la corvée vaisselle, ouais. Après bon, on ne peut pas dire qu'il y ait énormément de vaisselle, il y a littéralement deux casseroles. Non mais ça saoule quand même, c'est le principe, vous voyez. Du coup maintenant on va aller faire nos petits plans drone. Essayer d'aller faire un plan où on est en train de marcher et les chevaux s'en vont devant nous. Deuxième plan, on va faire le plan crête comme je disais. On marchera dans cette direction et le drone viendra de par là-bas, ce côté-là, pour passer au-dessus de nous et voir la magnifique vallée qui est à ce côté. C'est un des plus beaux shots drone que j'ai fait depuis le début du trip. Alors Amadeo, des gens qui demandaient si ça gâchait notre voyage de faire des vidéos, t'en penses quoi? Ouais non, pas du tout. C'est vrai que nous on est H24 dans ce genre de paysage là, 7 jours sur 7. Et donc on en profite à fond. Et puis c'est un plaisir de pouvoir partager ça en faisant de temps en temps quelques shots, comme le drone là ce matin, ou comme les prises caméra qu'on va faire tout à l'heure encore. Donc non, c'est juste un plaisir. Et en plus c'est cool de voir que les montages s'améliorent petit à petit, que voilà, y a des petites techniques en plus par-ci par-là. Bon voilà, c'est juste du plaisir, juste du fun et on est super content de pouvoir poster ça sur YouTube. Le vent se lève.
vers la route, le grand axe, une sorte de national mongol qui descend vers le sud. Donc on va aller se poster là-bas et puis on va commencer à marcher. Avec un peu de chance, quelqu'un s'arrêtera pour nous. C'est pas tout, mais comment ça fait faim? Ça fait 10 km qu'on marche. C'est quoi ça? Aucune idée, mais je mange. On est un peu mou comme ça. Bye bye. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, hein, des gens super gentils qui sont arrêtés au bord de la route. Ils nous ont demandé une petite photo et puis ils nous ont donné des fruits et de quoi manger. Donc ça complète super bien le lunch qu'on vient d'avoir. Donc là, on a été pris par Daila, notre nouvel ami mongol qui est charmant. C'est un chanteur throat singer, un chanteur avec sa voix, donc ça fait un peu les oh de chaman. Et il nous emmène à Copt. Donc c'était un peu notre destination qu'on avait en tête pour aujourd'hui. Donc on va pouvoir normalement arriver là-bas et faire. C'est comme ça, on vous montrera ce que c'est des Hochur. Hochur, un petit café, on espère trouver un petit café, peut-être se poser, ouais, faire un peu de montage peut-être. Bien. Voilà, on a invité notre ami à boire un petit café pour le remercier. Et maintenant, c'est gros squattage dans un café. Donc, on profite de l'internet, on recherche les batteries. Et après ça, on cherchera un petit spot pour la tente. On vient de sortir du café, on est resté toute une partie de l'après-midi. Et d'ailleurs, on a pris deux cafés quand on est resté un certain temps. Et la dame nous a offert le deuxième. Donc, de nouveau, on l'a pas en caméra, mais c'est ce genre de petit geste qui fait trop plaisir, quoi. Au chaud. Donc, c'est une sorte de pâte frite dans l'huile bouillante. Fourré avec une sorte de viande hachée. Donc okay. On va chercher ça, mais on a besoin de cash. Et oui, c'est bon, cette fois ça a fonctionné. On a nos billets. Voilà, au chaud, on n'a pas menti. Pâte, bien frite. Ça a l'air bon, hein. Ouais. Ça sent bon, ça a bon goût, il n'y a plus qu'à s'enjailler. Et en plus avec ça, une bonne bière. À tout à l'heure quand on plantera la tente dans des conditions optimales. Du coup, les shorts se digèrent tranquillement et on va aller chercher un spot pour la tente de ce côté-là. Voilà, pour bien terminer la journée. Ouais, on va devoir planter la tente encore. Ça va être amusant. C'est pas encore fini. Non. Suivez-nous. Voilà, dans beaucoup de villes mongoles, il y a une sorte de périphérie qui se forme avec des guerres, donc les yourtes mongoles. On a un bon exemple ici. Alors ici, c'est abusé, regardez-moi ça. On va aller planter notre tente, là. Voilà, ça se fait, facile. Let's go. Ok, on est à l'abri, on est dans la tente, on va pouvoir aller dormir. Mais avant ça, on voulait faire un petit débrief avec vous. C'était la première fois qu'on tentait l'expérience de faire un vlog de 24 heures, plus ou moins 24 heures, en tout cas du lever au coucher, pour vous montrer un petit peu la routine du big jump en dehors des vidéos épiques qu'on essaye de faire. Et du coup, on s'est dit, en vrai, il y a beaucoup de choses qu'on vit au jour le jour, au quotidien, qu'on a pu retransmettre. Et puis évidemment, il y a des choses un peu plus hors du commun qui arrivent tout le temps, heureusement, sinon ce serait ennuyeux. Les gens vont penser qu'on fait des restos tous les jours et que c'est la belle vie. En fait, ça c'est un peu spécial aussi, c'est quand on revient en ville après 3-4 jours de bivouac, comme c'était le cas maintenant, qu'on se fait un petit peu plaisir aussi. Donc voilà, et ici c'est incroyable l'endroit qu'on a trouvé ce soir. Mmh. C'est aussi une belle surprise. C'est vrai qu'on est content quand même que... Parce qu'on a choisi un peu le jour au hasard, enfin au pif, on savait pas vraiment
ce qu'on allait vivre aujourd'hui. Et on est plutôt content pour ça, parce qu'on a pu vraiment montrer tout un panel de choses qui arrivent. Comme tu disais, le stop, le drone aussi ce matin, parce qu'on ne fait pas du drone tous les jours. Exact. Ça arrive quand on est sur un beau spot qu'on a vraiment envie de mettre en valeur. Mais du coup, aujourd'hui, avec tout ça, avec l'arrivée en ville, avec le restaurant, tout ça, c'est une belle journée. C'est une belle journée type, c'est ça. C'est une belle journée type Big Jump, donc on est content, objectif accompli. On n'a rien surjoué, on a vraiment fait comme on ferait d'habitude, et seulement on filmait en plus. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette journée. Bonne nuit. Bisous, bonne nuit.